Bonjour et bienvenue dans le 17e épisode de mon let's play sur la map CTM de Ticaro HD, Simulation Protocol Overload. Alors, je suis revenu à peu près à l'endroit où je vous avais quitté et on va aller explorer la zone. J'ai fait le plein de nourriture, de... Ok. Bon, ça fait toujours du bien quand ça s'en va, ça. Alors, qu'est-ce que je voulais explorer, au fait? Bon, ça y est, la musique est repartie. Oh, c'est pénible. Non, là, voilà, ok. Alors, le pylône, là. Là, il y a une... Il y a du... Mais je suis déjà passé là-haut. Ah oui, j'ai dû faire le voyage. Il y a l'émeraude qui est par là. Enfin, un minerai d'émeraude. Ok, on va faire un petit tour. En passant comme ça. Hop, je fais des petits zigzags. Un petit creeper ici. Non, c'est interdit par le règlement, ça s'interdit. Alors, bon. Maintenant, on va pouvoir manger un petit peu. Ah, il y a un squelette là, saleté. Fléau des... Voilà, tiens. Oh merde! On recule un petit peu, tiens là, ça manque de torches peut-être ici. Allez mourir. Bon, toi, il y a des chances que tu meurs. Ok. Bon, je m'étais dit, tiens, je vais peut-être utiliser moins de torches, mais... pas parti pour utiliser moins de torches finalement. Alors tiens, ah mais t'es mauvais. Ah bah tiens, ah bah voilà, je l'avais pas vu celui-là. Bon alors il faut que j'aille. Je t'ai vu le creeper. Je t'ai vu. Bon. C'est quand tu veux que tu meurs, hein. Merde, je me trompe de touche. Enfin de... Voilà, quand même. Avec tout ça, j'avance pas beaucoup. Je sais que je me facilite la tâche pour tout à l'heure, pour plus tard, mais et puis je casse mes... Ok, il y a un coffre là. Oh putain. Voilà. Oh, il vient m'offrir un cadeau. Tiens, voilà comment je les reçois, tes cadeaux. Oh, c'est pas vrai. Arrêtez voir de venir m'embêter. Il y a un spawner. Ok, bon. Parfait. Ça allait moins, ça. Pourquoi tu viens dans mon dos, toi?
D'où est-ce que tu étais invité? Mais non, ça, t'as pas le droit. Heureusement qu'il dure pas longtemps. Il dure pas longtemps le feu là. Ah, une patate. Oh, très important, très important. Très important. Bon. Ok. Très important la patate. Charbon. J'ai même pas regardé si c'était piégé. Hein. Dire si j'étais content de trouver une patate. J'aurais presque même intérêt à aller la ramener quelque part pour être sûr de ne pas la perdre. Bon, il va falloir que je refasse une fois que j'aurai éclairé à peu près correctement. Ok, il y a une armée là, j'avais pas vu. Je n'avais pas, mais j'avais pas vu, je suis désolé. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je mange. Un de ces jours, il faudra peut-être que je pense à prendre une pomme. Toi, si tu pouvais avoir la bonne idée de me donner ton épée, ton armure. Oh, ils me lootent rien, les salopards. Où est-ce qu'il y a un coffre pas loin? Là. Je vais mettre ma pomme de terre ici. Et on retourne à l'assaut. Petite bulle d'XP. Voilà, c'est pas éclairé parfaitement, mais ça me convient. Alors on va aller voir les squelettes. Oh oui, je suis bien, mais non, allez, bon, je suis désolé. Faut le dire, hein, si vous aimez pas les étrangers. Oui, non, mais il y a toute une collection là. Alors je sais pas vous, dans le lycée que j'ai fréquenté quand j'étais gamin, il y avait un squelette et tout le monde l'appelait Oscar. Je sais pas si c'est le nom que donnent les... Dans tous les lycées, les squelettes. Parce que je sais pas pourquoi il s'appelait Oscar. Est-ce que c'était. En plus, je sais même pas si c'était un vrai. Ou si c'était un faux. Mais on l'appelait Oscar. Et j'ai jamais vu utiliser. Il était là dans les salles de Sinat. Pourquoi il y avait autant de squelettes dans le coin? Où est-ce qu'ils viennent de là-haut? Parce que j'ai l'impression ok. J'ai l'impression qu'ils étaient assez fragiles. J'ai l'impression qu'ils étaient assez fragiles et donc peut-être qu'ils tombaient de là-haut. Alors, s'il m'a pas l'air piégé, ce coffre. M'a donné un coup le con. Voilà, c'est bon. Ok, ça tombe bien, c'est ce qui me manquait. En plus que protection contre les projectiles, cette circonstance, parce qu'il y avait plein de squelettes ici. Alors, qu'est-ce que je peux trouver d'autre d'intéressant? Ça. Oh putain! Bon, ça c'était moins intéressant. Heureusement, j'avais
J'avais de la protection hein, contre les explosions. Ouais. Parce que j'ai pas pris cher. C'est quoi ça? Un hydril. Ça a l'air sûr. Efficacité tranchant. Qu'est-ce que je. Et là, donc il y avait un arc. Non, il n'y a pas d'arc. Soit instantané, ouais, mais. Ah, tiens, mais ça. On viendra chercher l'armure plus tard. Bon, bah ici, ça m'a l'air fait. On va continuer. On va voir si ça continue par là. Ah oui, puisque j'y suis déjà allé. Ah tiens. Alors, est-ce que j'avais regardé? J'avais regardé dans ce coffre? Je ne sais plus. En priorité, les squelettes. Ah merde, vise mieux, du con. Il essaie de me tirer, le salopard. Hop là, ça c'est pas bon ça. Il a même pas buté les zombies. Alors pourquoi la musique s'est encore arrêtée? Non, je vais. Oh, quoique c'est plus facile à réparer. Et puis j'en ai deux bons autres. Encore un bon arc. Enfin, un arc enchanté au moins. Ah merde, il me semblait enchanté. Ah oui, puissance 1, ok. Mais ça pourrait se combiner avec un autre arc que j'ai, qui est puissance 1 aussi, avec d'autres. J'ai bu ou quoi? J'ai vu des petites flammèches quelque part. Ah oui, c'était peut-être là. Oui, je vais du. Bon, c'est pas grave. Je me demande si c'était bien celui que j'avais vu. C'est quoi ça? Tranquille bastion. Ah, est-ce que ça serait le. Oh, attendez. J'ai vu une plaque de pression, j'ai failli marcher dessus. Ça me fait peur quand je vois ça. Tranquille bastion, est-ce que ça serait le monument? Small Lens. Je sais pas ce que ça signifie, Lens. Ah, Mushroom Island, ok. Ici, on est tranquille. Small lens, perfect zoom. Instrument. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est que je sais pas que c'était possible ça. Bon, il est moins bon. C'est moins bon que. Ah, si, ça. Je suis avec. Ah, c'est excellent ce truc. Là, je suis avec Optifine. Et là, je suis avec la small lens. Ok, mais par contre, on est à l'arrêt, hein. Bon, alors.
Just jump, there is a cobweb, ok. Allez, c'est le saut de la foi, hein, comme dans Indiana Jones. Ah merde, je voulais faire une sauvegarde rapide en F5, quel con. Oui, mais. Bon, c'était du dé à coudre. Oui, mais c'est qu'est-ce que je suis censé faire une fois là-haut? Bon. Ok. Toujours Mushroom Island, ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Welcome home. Ah, puis du charbon. Bon, j'ai pas besoin. Ah. Oh, quel bonheur. Ah, c'est calme ici. Oui, je vais quand même. Non, je. Moi aussi, je vais mettre un petit peu de torche. Des arbres. De la bouffe. Impeccable. Impeccable. Donc j'ai trouvé la zone du monument normalement. Ah puis il a fait un effort pour la construire. Enfin, dans le précédent c'était une grotte qui était travaillée aussi, mais là c'est carrément des constructions, des ruines envahies par la végétation. Ah qu'est-ce que tu me vends toi? Ah bah tiens, ah, ça coûte moins cher. Oh. Oh, parfait. Bon, d'accord. Ah oui, non, mais il a dû avoir des retours sur sa première map, disant que c'était un peu dur, alors il a. Tiens, c'est quoi comme bloc ça? Merde, on voit pas. Il a dû faire en sorte que ça soit moins difficile. Au niveau nourriture, hein, je veux dire. Alchimiste. Et c'est quoi? Golden Apple Joyce. Absorption 6 minutes. Ok. Nausée. Ok. Concentrate. Poudre d'os. Flasque. Clear all negative effects. Holy water. D'accord, oui, il y a des échanges intéressants à faire. Finalement, j'ai peut-être eu raison de ne pas consommer mes. Oui, ça, c'est peut-être pas très judicieux. Ah oui, non, mais ça me plaît pas d'avoir la. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Storage room. United Elevator System et Delta Room. Qu'est-ce que c'est Delta Room? C'est le monument? Ah, qu'est-ce que tu vends, toi? Ok. Spécial item. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des altars. Tiens. Bon, déjà. Ah bah il y a ce qu'il faut pour. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les altars sont des. Les autels, je crois que altar c'est hôtel. Ce sont des petites structures en quartz dans l'espace spécial du monument. Elles servent. Ah leur propos est de. Elles servent. Pour vous donner un effet de potion pour toute votre vie, pour le temps d'une vie. Ces effets de potion sont la vitesse, haste c'est quoi? Je sais plus, et puis force. Chaque hôtel correspond à un effet et en
activant un, on efface les autres. Pour activer un hôtel, vous devez pousser le bouton en ayant une amulette des anciens, Elder Amulette, dans votre inventaire. Soyez sûr de n'avoir qu'une seule amulette avec vous parce que l'altar va effacer toutes les autres amulettes que vous avez. Vous pouvez activer seulement les hôtels qui sont allumés. Pour avoir les autres hôtels actionnables, en fait, vous devez trouver les autres intersections. Trouver l'intersection 3 va activer le Speed Altar. Intersection 4, Strange Altar. Ok. D'accord. Ah, c'est pas mal comme idée, ça. Ah, ok. Donc, où il est ce monument? Ah, puis il y a du bois, il va falloir que je transfère toutes mes affaires. Tiens, bah donne-moi à bouffer, toi. Qu'est-ce que je vais jeter? L'arc. Non, je vais le fusionner comme ça. Vous savez, j'ai trouvé une de vos copines. Oui, j'ai trouvé une de vos copines. Oui, ça n'a pas l'air de te passionner plus que ça. Donc là, il n'y a rien, mais où il est le monument? Ah, bah c'est quand même un gros soulagement de trouver une zone tranquille. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est par là, c'est de là que je viens. D'accord, impeccable. Donc on va continuer à explorer. Il manque un, il aurait fallu mettre quelques petites lianes peut-être. Hop là, j'aurais très bien pu mourir dans la zone sécurisée. Ça aurait pas été très malin. Bon, j'ai l'impression que j'ai des chutes de FPS. Ouais, là je suis à 30. Comment ça se fait? D'habitude, j'ai 60. Alors là, c'est pour poser les laines. Et donc, je peux déjà en poser normalement. Parce que, mais bon, moi, ça m'embête qu'il ait mis cette lave-là. Wood Monument. Ok, bon. Alors, Light Blue Wool. Ici, White Wool. Magenta, c'est ça? Magenta Wool. Ok. Donc l'émeraude, on va la faire. Je crois qu'on peut la crafter, hein? Je me trompe pas. J'ai pas été jusqu'au bout là-bas, si. Non, ah non, non, là c'est. Qu'est-ce qu'il y a? Ici c'est Storage Room, il faut que j'aille voir ce que c'est. Bon, ça c'est pour mettre une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Construisez le kit de construisez votre propre base. D'accord, oui. Il n'y a rien dedans, je suis sûr, non. Ah. Bien fait de vérifier. Je vois pas à quoi ça me sert, la redstone, déjà que moi j'y connais rien. Ok, là, il y a des bouquins. Protection 2, solidité 1, efficacité 2, chute amortie épine, chute amortie 2, fortune 3. Ah. Fortune 3, ça devient intéressant, ça. Alors, qu'est-ce que je vais balancer? Ça, je m'en fous, ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Bon, ça, on va la mettre de côté, on va la mettre avec les trucs magiques. Mais j'en ai pas vraiment l'utilité. On va mettre la bouffe ici, quand on aura viré ces saloperies.
Je sais pas à quoi ça pourrait me servir. Bon, on va mettre ça là. On va caser ça là. Bon, la nourriture, c'est bon. On va mettre le bois ici. Pourquoi j'ai autant de coffres? Ça, je m'en cogne. Ça, j'aime bien voir la terre. Ah bah oui, bah il faudra que j'aille rechercher ma patate et puis je commencerai à faire un champ quelque part. Bon, on va voir la zone de téléportation. Voir qu'est-ce que c'est. Non, Altar Room. Téléportation. Qu'est-ce que j'ai comme effet ici? Non. Vitesse et puis régénération, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça marche? Le système de téléportation unifié est un mécanisme complexe qui vous donne la possibilité de vous téléporter à n'importe quelle intersection ouverte ou au monument Glen. While still being quite compact. Tout en restant compact, je pense. Pour ouvrir le menu de téléportation, vous devez vous tenir sur la plateforme marquée avec 4 blocs de vert teinté. Après ça, vous sélectionnez la destination désirée en ouvrant le menu. À partir du menu ouvert, en ouvrant votre chat, votre console de chat et en utilisant votre curseur. Pour être capable de se téléporter à l'intersection 3 et 4, vous devez les trouver vous-même. Oui, vous devez d'abord les trouver en gros, c'est ça. Et là, c'est quoi? Alors, ça, intersection 2. Ok. Dig. Ah, parfait, parfait. Ah, c'est impeccable, ça. Impeccable. En plus, oui, bah c'est là. J'aurais pas beaucoup de chemin à faire pour tout transporter. Je peux même mettre des saloperies là-dedans. Déjà, je vais remettre ça. Bon, je vais m'occuper de tout déménager. Mon lit aussi. Ok, donc... je suis pas sûr que ça soit nécessaire de vous l'infliger. Ça, j'en aurai l'utilité, ça aussi. Est-ce que j'ai encore de la place? Oui. Bon, je vais vous laisser là le temps que je fasse tout le transfert. J'irai chercher ma patate aussi, mais là j'ai planté une carotte, mais bon. J'irai chercher aussi les carottes qu'il y avait à l'intersection 1. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'on se retrouvera dans le prochain. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à vous abonner, à partager les vidéos, à mettre des pouces. Voilà, merci, au revoir.